Ok, salut à tous. Donc là, on va voir comment ajouter un indicateur à un autre indicateur. Parce qu'apparemment, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question et du coup, ben, on va voir ça vite fait. C'est juste un petit tuto rapide, simple et efficace. Là, vous voyez, quand vous faites glisser, tout simplement, ça marche pas. Par contre, si on va dans appliquer à et qu'on fait first indicator, là, par contre, on arrive à placer son indicateur, donc sa moyenne mobile, sur son momentum. Rien de plus simple. Très utile pour gagner de la place sur l'ensemble des indicateurs qu'on met en place sur le graphique. Ok, c'était pas Darren Scalp. Bon dimanche à vous et bonne reprise sous les marchés.